73e cours, pour une fois, je ne vous demanderai pas de digression sur ce nombre, qui est, chers amis, d'abord et avant tout, notez ceci. En haut à gauche de cette carte, que lit-on ? Donc, G-R-I-M-A-U-D, ce qui est en ancien français signifie ignorant. C'est donc par antithèse que cette chose a été proposée, puisqu'en réalité, je prétends que dans ce jeu, il y a la concentration d'une intelligence et d'une culture très très largement au-dessus de ce que peut faire le genre humain dans son ordinaire. Je n'ai pas d'exemple d'un autre ouvrage aussi complet, aussi détaillé, etc. Maintenant, il va falloir que je démontre ce que je dis et conséquemment aller doucement dans la démonstration. Pour les nouveaux, il est mieux de ne rien savoir que savoir mal. Maintenant, on va voir si chez les anciens, le mauvais savoir est resté ou non, compte tenu du fait qu'on a le devoir de travailler quand même tant soit peu chez soi, pour remémorer en quelque sorte les éléments qui sont proposés. La raison montre que nous avons une main qui sélectionne et qui actionne dans un temps avec une énergie donnée, mais de l'autre, c'est une main qui est pince et curseur. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de dimensions fixes, si tu te trompes de case, c'est paumé, nous sommes d'accord, et de pincer des choses, c'est-à-dire de les fixer. Donc on a la main qui est sous-entendue, inactive pour la sélection, la précision, etc., mais qui est là pour fixer, celle-là pour faire évoluer. Donc on a cette parité dans l'action qui est très importante. D'un côté, des forces dites comment ? De tradition, moralement et sociologiquement parlant, et de progrès de l'autre côté. Tradition, progrès. Les deux ne sont pas en opposition autre que dialectique et apparente, parce qu'en réalité, la tradition, ça n'est que la base de tout cela. Pourquoi elle est appelée hermétisme ? Devinez, parce que Hermès en grec signifie fondement, base. Mais l'actualisation de la tradition devrait être le principe de la civilisation. C'est ce qu'on devrait appeler le progrès. Et on voit, sociologiquement parlant, la chose importante, c'est que si on a une armature morale, on peut s'adapter. Si on n'en a pas, on ne peut pas. C'est pour Didier que je dis ça. Le sous-entendu, c'est que si on retirait la tradition au genre humain, immédiatement, il serait dans un état de fragilité extrême et il pourrait lui arriver le pire. Donc, ceci étant dit, pour éviter cette chose-là, les anciens ont proposé une méthodologie très claire, toujours pour toi, qui s'appelle l'équilibre, la recherche de l'homéostasie, comme disent les médecins, qui est la description de ce qu'a toujours fait la nature, un équilibre dynamique. C'est la référence au temps, c'est donc Saturne qui est sous-entendu, c'est la raison. Mais si c'est une couronne dorée, cette raison est métissée par le sentiment de perfection morale. C'est pourquoi lorsqu'on fait disparaître une couronne de la tête d'un roi, c'est un techniquement pour, tu ne le sais pas et pourtant, c'est un régicide. Quelqu'un qui fait tomber la couronne d'un roi, il est puni comme s'il était régicide. C'est quand même grave. C'est pourquoi une atteinte à la personne royale, c'est quelque chose. Et ça se paye cher, d'ailleurs, vous verrez, le 23 janvier, quand ça viendra, vous vous en souviendrez. Nous sommes d'accord. Et pourtant, vous voyez, on va très lentement. Ici, qu'est-ce qu'il y a, selon vous ? Un sceptre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, avec ça ? Le roi dirige avec un nombre. Premier. Pourquoi ? Parce que sept et sceptre, c'est la même chose. Maintenant, on va revenir, grâce à ce nombre, sur la notion de découpe. Le roi, il coupe son monde en deux, mais comment ? Comment le roi gouverne-t-il ? Il le dit à sa manière ici. Qu'est-ce qu'il fait avec un sceptre ? Il partage en deux. Mais comment partage-t-il en deux ? Écoutez, la leçon est assez délirante, formidable. Regardez une faux qu'elle forme a-t-elle la lame ici et le manche ici, ça dessine le nombre 7. Nous sommes d'accord. C'est assez particulier ce langage pour pouvoir se dire très clairement, si personne ne nous l'enseigne, on va nager sauvagement, etc. On ne va pas pouvoir se diriger. Donc simplement, vous regardez les choses comme elles doivent l'être. Ça va. Maintenant, vous allez essayer de trouver l'anagramme de le chariot. Oui ?
Non, il a raison, il a raison. Vous avez deux faces parallèles. Celles qui vont... Donc celle qui désigne le nord et celle qui désigne le sud, par voie de conséquence, elles tracent par leur côté deux segments est-ouest, c'est-à-dire de droite à gauche et de gauche à droite. Ça va ? On fait la même chose avec est et ouest et nous avons la relation nord-sud ou sud-nord. Cela va toujours. Maintenant, la pointe, elle désigne le haut et si on ne désigne pas le bas, c'est parce qu'il faut l'extraire de nous-mêmes. Est-ce que cette leçon convient ? Vous allez voir que cette dialectique est tellement fine que dans le monde templier, on va s'apercevoir que les historiens ont tout faux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas le langage utilisé. C'est un type qui veut lire l'allemand parce qu'il sait lire le français. Ça n'a pas de sens. Eh bien là, nous sommes dans la même situation. Lorsqu'on veut s'approcher des Templiers, le minimum, c'est qu'on connaisse leur dialectique particulière qui est purement hermétique. Et vous allez voir que la lecture est tellement simple et évidente qu'on se demande pourquoi on nous raconte n'importe quoi. Donc, nous allons demander maintenant, puisque nous sommes à l'arcane 8, quel arcane pourrions-nous visiter ? On va demander à Didier, parce que c'est un homme hors du commun. Si on n'applique pas les lois de la justice, que risque-t-on ? Deux choses. On se casse la margoulette, donc ça s'appelle la maison Dieu. On voit que c'est la chute de la leçon de la dualité qui fait qu'on se casse la margoulette, c'est ça. Donc nous sommes en train de nous casser la margoulette et la maison Dieu, c'est-à-dire ben, vous allez passer par la case départ et vous ne toucherez pas 20 000 francs. Vous serez obligé de recommencer le jeu comme dans le jeu de loi. Et la loi, elle est absolue, rigide. C'est-à-dire que si on a un maximum d'individus humains à ne pas faire ce qui est attendu, à ne pas se conduire tel que les hommes et les femmes devraient se conduire, on recommence tout, c'est reparti. Et cela, ça a été déjà fait plusieurs fois. On en est à la 6e tentative. Dur, hein, quand on entend ça, les historiens se disent, ce type-là est complètement ravagé, mais c'est normal, ils ne comprennent rien à rien, puisqu'ils ne lisent pas la tradition telle qu'elle a été écrite.